Et du coup, les amis. Bon, oh, elle est là. Red coupe encore, qui est pas loin de Bouga. On va pas se mentir. Il a 15 points d'avance sur le second. Il y a encore beaucoup de choses à prendre parce que faut pas oublier. Ok, t'es champion du monde. C'est toi le meilleur point. Mais t'es deuxième. T'es le deuxième meilleur joueur du monde. Ça va. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Puis ça paye bien. Donc bon, rien n'est fait. Et là, du coup, la dernière game, les amis. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. La finale de la Coupe du Monde de Fortnite, les amis. On le rappelle, deux Français sont actuellement dans le top 5, exactement à la 4ème et 5ème position. King qui est remonté dans le top 20, il est 15ème ou 16ème, je sais plus, un des deux. Du coup, cette dernière game qui peut changer tout pour tout le monde. Oui, et c'est maintenant qu'elle se joue avec les premiers drops qui vont avoir lieu. On est sur Créo, le vainqueur de la game précédente, justement. Qui a l'air d'être du côté du bateau de pirates. En tout cas, les lamas qui sont dans le sud de la map. Oh, regardez, regardez la répartition. La dernière game, on voit, il a le spawn, allez-y Lagoon, sur le... Bah, le spawn de Ninja qui était en duo. Ouais, mais Créo, bateau classique. C'était attendu. Peut-être des balles sur quelqu'un. On le voit, hein, ses stats, c'est 8 kills et toujours sur top 25. Placement, 25 de moyenne, c'est-à-dire il marque des points à chaque game. Voilà, c'est bien. C'est dans la moyenne. Et on a Bouga, le premier actuellement, avec 15 points d'avance, les amis. Là, il sait qu'il... Il a la coupe au bout de ses doigts. Faut juste un top 25. Elle est vraiment là. T'imagines à la place du joueur, tu dis, elle est là pour moi. Je pense que tu penses pas à ça tout de suite. En tout cas, tu te sors l'idée de la tête, tu te forces à pas y penser. T'assures ton top 25. Et je pense que derrière, l'explosion de joie va se faire ressentir forcément. Pour qu'il perde ce tournoi-là, faudrait que Psalm fasse 16 points. Oui. Personne n'a fait 16 points. En une game, non. Pas sur cette finale. Pas avec ce niveau-là. Il a Bouga la première, avec 19 points la toute première game. Mais c'est le seul, c'est lui. Ah, Bouga. En tout cas, pour l'instant, très tranquille à son spawn. Blaster, déjà en combat. Skyn qui est déjà mort. Non. Oh. Il est quand même bien placé, mais... Oh, c'est dommage. Et c'est Robabs en plus qui l'élimine. Mais Robabs, Skyn, Robabs, il est pas tilted. Ah non, mais non, je vais mettre les deux sur là-haut. Les deux sont là-haut. Oh, comme c'est dommage. Malheureusement, les Français qui s'entretuent. Mais c'est le jeu, c'est comme ça, les amis. XLC qui tente des balles, c'est blanc. Et surtout, on l'a dit, hein, y a plein de joueurs qui, du coup, ont pu voir leur positionnement, qui vont cette fois-ci aller chercher les fights sans réfléchir. Je veux dire, c'est le moment pour moi de marquer des points. C'est ma dernière game à la Coupe du Monde. Je suis à New York, je suis pas venu pour ne pas jouer. Donc, je lâche tout maintenant. Donc, en gros, t'as la moitié du serveur qui sont en mode, j'ai plus rien à perdre. Dedans, quoi. Parce qu'il faut pas oublier, c'est vous êtes dans le top 20, votre cash prize augmente. Si vous êtes entre 21ème et 100ème, vous gagnez exactement la même chose. Donc à un moment, tu te dis, bon, que je fasse 25ème ou que 100ème, on s'en fout. C'est essayer de gratter la 20ème place. Exactement. Parce que dans tous les cas, t'es quand même 100ème, t'es le 100ème meilleur joueur du jeu. Oui. On s'en fout. Personne pourra te dire que t'es nul, c'est pas possible. Allez, on revient du côté de Luke Lec, là, avec Zayt, justement, qui était attendu et qui finalement en solo n'a pas réussi à performer. Alors j'aimerais bien savoir si c'est vrai, mais dans le chat on dit que Nate est mort aussi. Ça par contre j'ai pas vu, hein, donc j'espère pas, ce serait triste. Non, je pense qu'on aura... Rotrona, Mofin, à côté de Loot Lake, qui farm tranquillement. Alors, on prend tout le métal qu'il y a, forcément. Loki qui vient d'éliminer Issa, c'est la fin de la compétition pour lui. Oh, Arius qui s'est pris une petite balle de... Blaster qui arrive peut-être pour l'acide tout ça. Tu vas en parler, hein, des joueurs qui n'ont plus rien à perdre. Et bah la preuve, il va aller le prendre son fight. C'est un joueur, on le rappelle, qui avait été le plus régulier en Europe. Oh, par contre, il a pris une sacrée balle. Il a mis une bonne balle, mais lui est vraiment dans le mal. Il tente peut-être les bandages. Et on a Tefiu qui vient tuer Clipnote justement là-bas au bloc cette fois. C'est la dernière game. Maintenant, on va se battre, mon grand. C'est ça, il lui a enfin pris son combat. Et il l'a éliminé totalement dans cette dernière game. Blaster qui finalement va pas aller au bout de ce fight, il le sent pas. C'est compliqué après avoir cette balle là. On va peut-être juste reculer et essayer de se heal un peu. Mais on va monter qu'à 75 points de vie. Il va le voir là. Il veut essayer de le surprendre avec cette position qui est franchement pas attendue par son adversaire. Mais ça fait un peu loin maintenant. Chubb qui s'est enfui, il a 200 points de vie. Ouais, il a bien fait finalement Blaster. Sur une position stratégique alors que là, on a un fight directement à Paradise. Alors eux, depuis le début de ce tournoi, ils n'ont pas arrêté de se battre. Ça a été l'équivalence pour les deux. La petite décale au fond, il vient beaucoup de... Oh, les Zeti. Litwick, il a dit, écoute mon grand, allez,
C'est pas ta coupe du monde, c'est la mienne. Allez, dégage. La petite fenêtre histoire d'attirer l'attention. On ferme, on ouvre pas en haut. Et cette fois-ci, on intervient sans laisser une seule chance à l'adversaire de s'en sortir. C'est très bien joué. Paradise est à lui. Un arrêt sur Psalm, on le rappelle, qui est très bien possédé dans ce tournoi. Il est deuxième actuellement. Ou trois, je sais plus, un des deux. Je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, il est très bien dans le tournoi. Psalm, le joueur qui joue bulle. On sait que ça peut trigger beaucoup de monde, mais ça montre au monde que avoir de l'ego c'est bien, mais gagner c'est mieux. Totalement. Surtout qu'on aura oublié hein, dans deux mois qu'il avait gagné de cette manière-là. Et on retiendra qu'une chose, c'est sa position. Et lui, il retiendra qu'une chose, c'est son compte en banque qui aura été bien renfloué. Et on a King qui est en train de faire des éliminations encore. Pour pas changer, j'ai envie de dire. Top 10, hein, il est 10ème King avant cette game. Et on rappelle, c'est que des points de kill à qui il a mis. Qu'est-ce qu'il fait ? Ça tente les répulsés parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un juste à côté de lui. Il est là justement. Okay. Je trouvais ça quand même un peu gâché. C'était un méga mole, j'ai eu peur que c'était Keen. Mais non, c'est pas Keen. C'est-à-dire que les deux points qu'on voit sur la minimap, c'est deux... ouais, justement, oui. C'est Keen. Voilà, c'est bien ça. Allez, Keen, mon grand. Toi aussi, t'es bien remonté dans le tournoi. Tu peux faire la différence sur ce dernier game. Et on le voit, c'est en train de se slayer en balle. Il reste plus que 81 personnes. Les gens ont plus rien à perdre. On trotte dedans. On s'y attendait totalement. Bon, c'est répulsif finalement, elles ont juste été utilisées pour. Ça prend le moins de kill possible. Attention, alors que là, il y a un combat. Oh, il prend l'edit. C'est bon, Keen il est là, il est confiant. Ça prend de la construction, on l'oublie pas. Keen il connaît cet endroit par cœur. Il a un stuff le mec. Ouais, il a Keen vraiment quelque chose qui fait peur. Mais par contre, c'est Keen arrive à l'éliminer. C'est royal. Ça, on va le mettre bien. Parce que du coup, on voit pas le stuff que Keen a. Allez, let's go les amis, on est à fond derrière Keen. Keen il va capturer Pokémon et hop hop hop. Ça va dégager. Petite retraite stratégique, je trouve que c'est bien fait finalement. En fait, Keen a entendu qu'il y a eu un fight, donc il se doute que le mec est gagnant de ce fight. Donc il se doute qu'au pire, il a récupéré les HP du... Donc il sait que c'est peut-être pas un fight à prendre comme ça à la légère. Autant le setup. Et surtout qu'il entend que Pika force hein. Il entend qu'il est en train de forcer le mec. Il y a un barrette en plus de ce... Oh là là, oh mon dieu, là ça peut être WK, attention. Non. Ils sont pas loin. Oh, il a combien de slurps en dessous, mec? Il y a 3 slurps dans les parages. Mais il a trop de stuff. Ça n'a pas de sens. Oui, et il entend justement Keen qui est en dessous. Oh, ça tente de double kill, ça touchera pas. Keen sait maintenant. Il connaît très très bien la zone. Ça se voit. Ok. Putain, il a fait. Mais pas malin, Pika. Keen, ça arrive à te capturer, je te le dis, bien comme il faut. Allez, Keen. Est-ce que Keen peut-être va essayer de s'enfuir, peut-être avec le flux d'air? Ce serait son gameplay. Et oui, justement, il est en train de s'enfuir, Keen. C'est juste malin. Non. Non, non. C'est juste très malin parce que vu la détermination de l'adversaire, tu veux pas le duel. T'es en mode, pourquoi il est si confiant? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi tu dabs? Pourquoi tu dabs? Pika, t'as rien fait, rends pas fou. Il est fou lui. J'en connais un qui va attendre Pika à la sortie du stade. Genre il dab pourquoi? C'est quoi ça? Allez, 73 joueurs en vie. King a été très intelligent, il a pas voulu fight, il n'y avait aucun sens de toute façon parce qu'il a envie dans le game, il veut faire l'écureuil comme il a l'habitude de le faire. Et même, c'est quelque chose qu'il peut gagner. T'entends le barrette et tout, c'est des signes qui te donnent pas vraiment envie de le prendre. T'entends barrette, Scar, c'est bon, il y a un moment. Très intelligemment fait de la part du joueur suisse. Magic qui est bien placé, Buka aussi, on le rappelle, qui est premier actuellement de ce tournoi. Oh, les Léo qui s'est pris un laser par Benji. Attention, parce que toujours hein, ce fight ici entre... Et malheureusement, Nate vient de mourir, oui, effectivement. Aïe, aïe, aïe. Les deux joueurs français qui étaient très bien placés, qui vont pas pouvoir gagner plus de place dans ce tournoi. On verra s'ils finissent quand même dans le top 5, mais ça paraît compliqué avec cette game un peu loupée. On croise les doigts. En tout cas, ils auront fait quand même une très belle performance. Oula, ça part en bull fight. On en a pas encore vu depuis le début. C'est parti, Pani, le joueur coréen qui lâche rien, mais qui se fait prendre la hauteur. On sait pas qui est son adversaire. Ouh, il se prend une petite balle de bombe. Ça fait pas trop de dégâts. Plus de peur que de mal. Pani qui remonte. Il a des puantes, hein, donc il peut canaliser son adversaire. Je pense c'est quoi ce qu'il va faire. Mais évidemment, il est au Mexico, donc ça pouvait être que lui. Je pense c'est ce qu'il va faire. Voilà, il en a travaillé une. Il en reste une dans les mains. Attention à pas vouloir récupérer les à tout prix parce qu'on sait que c'est vite arrivé. La puante est prête. En plus, il y a un peu de camp, donc c'est vachement bien géré. On perd plus d'HP qu'on en gagne. Ouh, attention, là il a pris de sacrées balles par contre. Oh, il avait pris shot, hein. Feu de camp, mini pot, c'est parti. C'est instinctif, hein. On a perd pas de temps là-dessus. Par contre, ils sont très loin de la zone. C'est pour ça qu'ils veulent en finir. Ça va pas être bon. Mais oui, c'est pour ça qu'ils veulent en finir assez vite. Ça a construit en métal du côté d'Akram. Ah oui, ça j'ai 4B en balle. Hein. Oh, que oui. Attention, le feu de camp. Banik essaye de prendre encore l'aggro là-dessus. On lui met un mur dans le front. Oh, l'edit. Bien joué, il s'est bien protégé. Oh, c'est lui qui arrive à reprendre l'edit. Mais son adversaire qui construit directement. Ce fight est tellement intense. On le rappelle, c'est un fight en finale de la Coupe du Monde.
Quand on vous a dit que cette dernière game allait partir aux autres, on vous a pas menti. Avec cette balle de snipe encore une fois subie par Banny, qui va devoir claquer peut-être un nouveau feu de camp, des nouveaux shields. Est-ce qu'il va avoir le temps? Parce que maintenant on est passé à l'agression du côté de son adversaire. On a échangé les positions. Et là on a 200 points de vie contre 60 points de vie. Akram qui le sait, qu'il est en avance. Attention, il se fait prendre l'exit de l'escalier. Très malin. Il recule bien, c'est très bien ce qu'il ne jette pas dedans. Mais le problème c'est que dans 3 secondes, cette zone qui va bouger maintenant. Et justement on est très low life hein, du côté de son adversaire. Donc Akram qui va essayer de, d'en abuser. La balle de pompe qui aurait pu être lâchée là-dessus. L'exit qui passe pas. Ah là peut-être là-dessus, ça met deux bonnes balles, oui. Et c'est le kick qui est récupéré par Akram finalement. Quel fight jusqu'au bout hein. Deux joueurs qui n'ont rien lâché, deux joueurs d'un niveau exceptionnel. On va devoir péter le pad justement. Et Pika, le dabber fou, qui est toujours à Mega Mall, il est en train de se battre avec quelqu'un d'autre. Et la Storm Church qui finalement, non c'est bon, elle va pas pop. Il reste plus que 70 joueurs en vie. Attention. C'est Fuxi qui a pas trop de vie par contre, mais qui vient de mettre une bonne balle à Pika. Et Pika du coup, ah bah tu vas pas d'âme mon garçon là hein. Oh, on sait pas mettre ce qu'il fait, il a peut-être fake. Ouais. Il on l'a entendu quand il a changé d'arme. Et ça aurait pu être très smart pour le coup. Donner cette sensation qu'on part alors que finalement il reste à proximité. C'était intéressant. Encore une fois, tous les duels qu'on a sur cette game là, les amis. La dernière game de la Coupe du Monde, ils vont nous la faire rêver. Ça se sent que c'est la dernière. Regardez, hein. Peut-être les esprits aussi qui ont relâché un petit coup. Ah, il y a encore un Français malheureusement qui vient de mourir. Blacksou. Ah. T'annonces que des mauvaises nouvelles, hein, Yoshi. Hein. Tu commences à m'embêter là. Qui n'est encore là? Ah, je préfère ça. Attention, attention, tu vois c'est stratégique, c'est minutieux, on passe à droite, on passe à gauche, on essaye de feinter, de jouer avec les sons. C'est Dirt Girl Fight qui sont d'un niveau, c'est pas des joueurs qui sont arrivés là par hasard. Oh la dame le chasseur. Pika qui prend énormément de dégâts là-dessus et son adversaire il le sait. Ah faut fuir maintenant. Ah là tu peux plus damer mon grand. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il tente de bait en passant par la zone parce qu'elle fait pas beaucoup de dégâts. Ouais mais c'est quand pas même. Bête, c'est pas bête. Et là du coup il a un feu de camp. Il a un feu de camp. Oh, il décide de pas de maintenant. Bah il avait pas le choix mec. Il aurait plus de tempo avec le feu de camp, la zone fait qu'un point de dégâts. C'est vrai. Ah bah là ça va être compliqué ta game maintenant Pikachu. Hop hop hop. Et ouais, c'est ça hein, d'appuyer. Mais là, un... et en plus il a plus aucune construction. Oh ouais, alors là, lui. Là c'est son mate qui a le seum. Enfin son mate, son adversaire, parce que du coup il a un point de vie hein. Et Tefu en bas à droite on le voit, il a deux kills. Malheureusement pour Tefu c'est la dernière game où il pop off un peu. C'est un peu dommage, attention peut-être là-dessus, Edith. Tefu qui répulse pour s'enfuir. Sauf qu'il est tombé sur quelqu'un d'autre, je crois. Au moins il a pris la hauteur, il s'est mis au-dessus. Ils peuvent partager leur emplacement, il n'y a aucun problème. Et du coup il a déjà deux kills hein, justement sur Tefu. C'est vrai que même le chat avait raison, hein. Pika il avait 3 slurs, bon, on le rappelle. Hein. Il avait tellement de sauve qu'il s'est peut-être senti un peu trop confiant. C'est ce coup de pompe qui lui a dit, allez hop, va-t'en maintenant. Tefu contre Klix et Revestuke qui est là-haut. Il va pouvoir encore continuer cette agression, il reste 66 joueurs en vie. On essaie de juste prendre les infos. À pompe, Tefu, c'est dur. C'est pour ça qu'il veut pas prendre le combat, hein. Il veut juste. Et son adversaire par contre il est à côté de lui. Et ça tente de prendre l'edit. Il va pas avoir le choix. Il va falloir bourrer à la PM silencieuse au bout d'un moment. Oh, on voit ça bégayer un peu sur les edits du coup. C'est normal, tellement de pression. Mais il s'esquive un petit peu, c'est pas si mal, il se déplace. Oh, bien. Il a trouvé un pompe de guerre. Oh, ça, ça, ça peut faire la différence. Oh, du coup, directement la réponse qui a été utilisée. Mais là, ce pompe de guerre qui peut faire la différence. Ah, oui, maintenant il a envie. Hein. Tu m'étonnes. Ça change totalement la situation. Et Bouga qui fait encore un kill. Et justement, le replay. Ou pas, c'est, non, c'est pas le replay, c'est, il venait à peine de le finir. On a quand même eu le temps de voir. C'est ça, il venait juste de le finir. Mais regarde la position qu'il a, Bouga. Il est au-dessus de Solti sur la colline. Enfin, il est trop. Il la mérite cette coupe. Trop fort. Pas photo, genre, Trop fort. Mais attention quand même, parce qu'il y a du monde aux alentours. Certes, il a une position avantageuse. Mais ça fait pas tout. Snazzy face à Martine. Snazzy qui a quand même pris déjà de lourds dégâts. Il est là avec son petit kill. Ça tente le bait sur Lady. Il a que 54 points de vie. Prend son temps. Snazzy peut-être. Bien joué. 73 points de dégâts, c'est bien ce qu'il fait. Il rééquilibre un peu les comptes. Il y avait une splash sur l'adversaire. Ouais, fin de. Ça bait un peu. Récupération. Oh, c'est mental tout ça. C'est sur les baits. Est-ce que oui, non, j'arrive. Oh, ça veut tenter l'outplay, mais c'est pas si évident. Surtout que tout le monde ici est expérimenté. Les duels aujourd'hui sont exceptionnels.
Attention Martin, Martin qui est plus dans la même situation que tout à l'heure, surtout qu'il y a un troisième intervenant qui spam fait plaisir sur Martin. Du coup ça profite un peu à Sneezy qui est peut-être attendre le bon moment justement. Oh, la Shadow. La Shadow qui était déjà. Du coup Sneezy il a 330. Oh, attention à ça par contre, le glider il peut être dangereux. C'est bien, c'est bien, il se faufile. Il a réussi à se positionner, à voir la zone. Pas encore mais il est pas loin. Oh, ça passe. Attention, mais tu le savais. Eh oui, il le savait, il s'est collé à une construction. Du coup, évidemment, Rock Shark en profite. Au moins mettre l'escalier direct pour au moins cover. C'était osé. Osé de la part de Sneezy. Mais il aura quand même fait une belle prestation aujourd'hui. Et déjà d'être arrivé parmi les 100 meilleurs pour un joueur aussi jeune, c'est déjà un gros parcours. Donc on peut l'applaudir. Exactement, AZ, on le voit, il est vivant. Tefu qui est vraiment dans la tourmente. Il a plus de vie du tout. Smith, Astonish qui sont là aussi. Où est Kinstar? Où est Kinstar? C'est ça la question. Universal, le joueur Bull qui est là. Oh mon dieu, lance-roquette, fusil à pompe, de répu. Oh là 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 là. Riversan qui a un gros coup à jouer sur cette game. Oui. Tefu. Arkhamix, pardon. Qui vient d'éliminer Left Eyes. Voilà, Tefu qui vient d'éliminer Smith. Il commence à y avoir pas mal de morts dans cette game. Ah bah là, 56, oui, ça s'est lavé. Hein. Bon, la poule qui est protégée, ça maintenant on le sait. Riversan. Avec sa bulle qui s'est boxée. On va prendre un peu les infos alentours. Dans tous les cas, le but là c'est de se faire oublier. Tefu qui arrête pas de se battre, hein, j'ai l'impression. Il est à 3 kills. Bon bah là, de toute façon, lui il le sait. Hein. Le plus dur est passé pour lui. Exactement. Voilà. Maintenant il peut juste essayer de créer le spectacle. Et les gens peuvent se rappeler de cette dernière game de Tefu justement. Même s'il finit top 40. Bah déjà 3 kills, hein. C'est très très propre. Le pad en plus qui est offert. Il est bien au-dessus de la Storm Surge, il s'en fout. Attention, des balles pas loin, s'il esquive tout. Nickel, personne. Faut pas aller se coller, faut pas faire la même erreur. Bien joué. Il met à toi d'abord. Tu vois, direct, voilà. Exactement. Tu protèges déjà la zone qui est la plus dangereuse et ensuite, tu fermes. C'est intelligemment fait de la part de Tefu. Bouga, mais la position. Mais mon dieu, mais. Chaque la fois position qu'on de ce joueur. Il a tout ce qu'il faut et c'est pas de la luck. À toutes les games c'était ça. Alors cette fois-ci il a peu de balles derrière, donc il pourra moins faire le kéké à essayer de prendre des kills comme ça à mi-distance. Mais par contre là j'en ai marre, il est où Kim? Il est où? Moi tant qu'il est toujours debout ça me suffit. C'est il va y avoir tellement plus de liberté pour la fin de cette game, tellement il y a de morts déjà. Enfin tellement, il reste quand même 52 joueurs en vie, mais comparé à toutes les games qu'on a eu depuis le début. Est-ce qu'on voit son pseudo là quelque part? On a mon Graal, on le voit. Robabs un peu au-dessus. Il y a King aussi qui est là-haut encore. Il est vite vivant aussi. Et du coup côté gauche, hein, Kinstar. Ah, je crois que je l'ai vu. Je l'ai vu, il avait l'air d'être pas si mal en termes d'HP. DRG est encore là aussi, juste à côté de Tefu et de Psal. Zed qui est un petit peu dans la tourmente, la Storm Surge qui est là. Il faut qu'il y ait deux personnes qui meurent. Oh, ben Jifishi qui est pris d'assaut par Tefu. C'est un fight intéressant alors qu'on passe sur Talm qui lui aussi essaie d'attraper. Il va peut-être récupérer un petit kill là-dessus peut-être. Ouais. Oh, voilà, hop, une balle, ça suffit. Et il le sait, il en a besoin de ces points-là. Et il a le temps de le célébrer. Sa deuxième place. Totalement. Le point levé, il célèbre son kill, il célèbre sa prise de risque. Et on reste justement sur ce joueur qui, on l'a dit, hein, est revenu de très loin et qui maintenant consolide sa troisième place. Ah, il était à deux points, pardon, de la troisième place. Voilà, il était à deux points. Donc là, il vient d'en marquer un. Il y a King encore qui vient encore de faire un kill. Oh, voilà. Salme, il est entendu ça aux alentours. À ce stack. Il est dans la zone, donc pas d'inquiétude à avoir. Donc il est juste là à attendre. Voilà, forcément, Edit, Reset pour essayer de voir un peu à travers ce qui s'y passe. Oh, Psalm, oh. C'est qui? C'est après Edit. C'est Bouga? Non, c'est Zayt. C'est Zayt. Bouga par contre qui a fait un kill. Ouais, juste avant. Oh, Tefu qui est en plein fight encore. Du coup, Psalm qui meurt maintenant. On le rappelle, il est très proche du top 2. Oh, Tefu, la fin là, on l'a rarement vu comme ça aujourd'hui. Exactement. Il n'hésite pas en tout cas à les montrer, hein, cette envie de combattre. Et on le voit Sky juste derrière Tefu là-bas. À observer. On a Bouga, 2 kills, qu'à la meilleure position, encore. 200 points de vie. Encore. Oh mon dieu. Il a le glider, hein, donc oui, il faut monter très haut s'il le souhaite. Kinstar, hein, là c'est encore tôt. Là, ah, Pikachu qui vient de mourir. Oh, il a quand même tenu Pika avec ses 2 points de vie au final. Comme quoi. Oh, c'est bleu. Oh, mais non. Oh, mais... En fait, il a toqué pour lui. Mais en même fait. Lui, il y croit pas, genre. Ils ont un point de vie, il les tue. C'est... Après, faut se mettre dans la situation. Et pourtant, il avait 13 munitions, tu vois. Donc, il a juste mis une, ça suffit. Bien joué.
normalement, toi, tu veux économiser, tu prends pas ses failles, bah lui il les prend. Et bah forcément, ça se provoque la chance, ça se provoque une fois de plus. Mon Graal encore là, Stompy aussi, Dergé en bulle. Kinstar, ça fait longtemps là. Ça va être aussi de la. Mais il est où Kin? Il est en bas, il est en bas à droite. D'accord. Là, on va peut-être. Bah, je vois pas où il est, moi. Bah, je suis convaincu de l'avoir vu juste avant. Mais pas qu'il est mort quand même. Ah non, il est là, 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 à droite, yes. Là, regarde à droite. Il est là. Il est tout à droite. Kin est toujours là, les amis. 42 joueurs en vie. Il y a Spike au-dessus qui lui met un petit laser, attention. Oh, oh, oh. Gars, hop, répulsive. Et je vais avoir la meilleure position du jeu. Oh, pourquoi le glider là? Pour l'arbre? Non, non, passe pas dans l'arbre. Le truc pourra pas faire ça. Il a un glider. Sur les coups d'Andretta, ouais. Qui fait justement un double kill Andretta. Et là du coup il a encore une fois la top hauteur, quelqu'un qui s'est plus fight contre lui. Mais un Bouga, il sait pas que avoir la possession, il sait aussi jouer à ce jeu. Oh là 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 là. C'est le prêt. Hauteur. Kin qui est en bas, on le voit. Attention, il se fait un peu spam par oh. Début. Oh, oh mon dieu, ça a été le saut en bas. C'était full open, DRG qui est en bulle, justement qui se peut oublier en plein milieu de la mêlée. Qui est toujours vivant et qui tente peut-être de se battre pour la hauteur max. Attention, il prend des dégâts. 49 points de vie pour le pauvre Tfew, qui vient d'éliminer Clouzé à top 35. Il a vu beaucoup de construction, Tfew, qui va être obligé d'aller prendre un combat quoi qu'il arrive. Donc la prochaine personne qui croise sa route, ça sera un tout pour le tout. Et ça se comprend totalement vu la situation, déjà d'être arrivé comme ça dans ce top 30. 30. On est bientôt dans le top 25, Zed qui élimine Robab. Aïe. Et là ça commence à beaucoup mourir. Fuji GG qui vient d'éliminer Benji Fessy. Oh, et Tfew malheureusement qui meurt, c'est fini pour lui. On arrive, on voit Bouga qui a toujours la hauteur max sur tout le monde. On est dans le top 25, des points pour Kin les amis, c'est parti. Il reste il est encore là. Il reste Kin forcément, il reste DRJ aussi je crois. Lolboom qui a la hauteur max sur tout le monde, mais une très grosse hauteur en plus. Mais on voit il y a des bulles encore en oh bas, il y en a 4 ou 5. Oh Bouga, Bouga en grosse difficulté là qui a perdu énormément d'HP. Alors Kin que Kin va tomber. Parkour Gaming GZ. Bouga qui a quand même le temps de se remettre quelques mini-shields. Au Graal qui est en dehors de la zone, qui essaie de courir un petit peu. Ah, c'est compliqué pour lui. Eh, mon Graal qui. Oh, il est pas mort. Non, non, non. Il est toujours debout. Ah, si, il vient de mourir. Non, il est toujours là, regarde-le. Là, là, il est mort. C'est bon, mon Graal est mort. Où est Kin? J'ai pas vu. Kin, je l'ai pas revu, mec. Kin est mort, apparemment. Tout le chat. Bah, ah, il est mort. Ouais. Par BLAE. Oh, dommage. Ouais, j'ai juste là, quand même, il a marqué des points, donc il y a moyen qu'il gagne un cracking comme place. On verra. En tout cas, Bouga est toujours vivant. Il est là. Bouga qui. Qui est en train d'écrire de la légende complètement en fait. Il est premier de ce tournoi, il avait 15 points d'avance, il est encore là. S'il finit sur un top 1, c'est juste magique. Mais attention, parce que tu y a un gros bull fight qui a lieu. On repasse sur Bouga qui est peut-être le plus sûr champion du monde. Qui est maintenant, on est sûr, le champion du monde solo de Fortnite. Et boum, ça a marqué l'histoire. Et récupère toutes les constructions du monde. Mais ce joueur est trop fort, ce joueur est béni. Le trap de Bouga. Il prend le trap pour exploser la bulle, mais il n'y avait personne dans cette bulle. Attention parce qu'il reste DRG aussi hein, dans les 14 survivants, donc le joueur Vitalis lui aussi peut essayer enfin de tirer son épingle du jeu. Vous les amis, vous avez le champion du monde, il n'y a pas photo, c'est lui, il aura mérité. Il y a tout qui est pour lui, il élimine quelqu'un et récupère 2000 de construction. C'est incroyable. Il est parfait, il a encore 4 kills dans cette dernière game du championnat du monde. Et il assure, il commence à avoir un sourire, il le sait, il est champion du monde, il le sait les amis. Et voilà, pour finir en beauté, il va peut-être falloir aller chercher ce top 1, il en est pas très loin. Plus que 11 actuellement dans cette game. Espoir francophone, c'est DRG qui est toujours pas tombé. Donc là, on rentre dans les 9 derniers. Regarde, il a envie de se lever déjà. Il en peut plus. Il a envie de dire c'est moi le champion du monde. Oh là 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 là. Autour de lui, c'est en train de se rassembler hein, les caméramans. Et tout en dessous de lui. Ah oui, il va sauter comme jamais. Oui. En fait, tu canalises tellement ton émotion que. Là, regarde, il a envie de se jeter. Il s'en fout de la game. Allez, 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 allez. Ah, je vois plus de DRG malheureusement. Il y a encore plein de joueurs qui meurent. Et il joue trop bien, même détendu maintenant. Il le sait qu'il est champion du monde. Et c'est encore plus facile pour lui. Et là, il met des balles. C'est dans le shield. Avec son chasseur hein, et une AR simplement grise. Oh, oh il n'a plus rien. Par Bouga. Et Bouga, malheureusement, qui tombe. Mais il s'en fout. Il le sait qu'il est champion du monde. Cette game qui est finie. S'il reste plus que 3 joueurs en vie, Stompy qui meurt Stompy maintenant. Qui tombe. Et il reste plus que. Chum et Crew, il me semble. Oui, c'est ça, Chum et Crew. C'est du feu de camp, les bandage, amis. Bandage, bandage, bandage. Il a des bandages. Et c'est Crew qui va gagner. Ah, quoique. Quoique. Non, et non, c'est bien Crew qui rapporte. Mais victoire royale de Crew. On va pas regarder Crew, les amis. On le sait qui est le champion du monde. C'est oui, pas t'as ici. Fait la victoire royale, mon grand. Oui, t'as gagné la dernière game. C'est pas ici. Mais les fleurs sont déjà sur lui. C'est pas il ici. Il est là. Tout le monde le sait. Le grand champion voilà. du monde, les amis. C'est lui là. C'est Bouga, le premier champion du monde de Fortnite.
en solo, il l'a fait, 6 games pour entrer dans l'histoire. Un joueur très jeune, certes, au niveau de son âge, mais pas au niveau de son jeu. Tellement intelligent dans chaque mouvement, dans chaque prise de décision. À chaque fois que la caméra passait sur lui, on le sentait dans une situation gérée, maîtrisée de A à Z. Les prises de combat sont bien faites, surtout en late game. Et je pense qu'en plus, ça, il doit être top killer. Donc vraiment, cette victoire, même si là, il n'a pas l'air de réaliser. Il ne réalise pas, tu peux pas réaliser ça. C'est mérité à 100%. Et dit, ouais, ben, bro, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas. 3 millions de dollars, mesdames et messieurs. Est le meilleur joueur du monde de Fortnite. Et c'est incontestable. C'est pas de la luck, il a même pas joué pull. C'est ça, il a même pas joué pull en plus. C'est vrai, c'est vrai. Il a détruit tout le monde. Et là, vous avez toute la famille, évidemment, de Bouga. Bah, il... c'est 3 millions de dollars. 3 millions de dollars, justement. Et en plus, Bouga. Elle s'est qualifiée la première semaine, il a été qualifié, je vois, genre 4 semaines d'affilée ou un truc comme ça. Enfin, voilà, c'est tout. Et... regardez-le. C'est juste irréaliste. Ah là, il peut foutre la daronne à l'abri sans poser aucun problème. Devant une vingtaine de milliers de personnes dans le stade, être capable... sur les streams, je sais même pas combien de gens, mais... plus d'un million, on l'a dit tout à l'heure, et ça, on parlait que de Twitch. Au niveau mondial, et dans tous les cas, après, les articles de presse qui vont sortir, tout ce qui va en découler, c'est bon. Je pense que pour lui, sa vie est déjà bien partie. Maintenant, j'ai envie de dire, ce genre de profil, il s'arrête pas à ça. Tu vois ce que je veux dire ? Il va vouloir être là l'année prochaine à remettre son titre en jeu et à le conserver. C'est un jeune, il a soif de victoire, tu vois. Et justement, l'année prochaine, s'il y a une autre Coupe du Monde, évidemment, il va vouloir défendre son titre. Ouais, ou son circuit, peu importe. Mais il sera là. Il sera là, c'est sûr, malgré les 3 millions dans la poche qui vont lui permettre d'être... voilà, à l'abri, de mettre toute cette famille à l'abri. Sa vie est à l'abri, là il est très bien. Mais encore une fois, c'est pas de la luck, c'est pas de je ne sais quoi. Ce joueur-là a démontré que, oui putain, c'est le meilleur joueur du monde. Il n'y a pas photo, c'est incontestable. Il a détruit tout le monde, son gameplay, toutes les games, il a régulé. Il a loupé une seule. Oh, le classement. Et regardez, Bouga, tu l'as dit, premier. Skyte, 7ème, Nate. Bravo. 8ème, Skyte qui remporte un demi-million. Bravo, Skyte. Un demi-million d'euros. 26 points pour les deux joueurs, mais à la différence, justement, parce qu'il a un top 1. Skyte prend cette place. Et vous avez vu que le cash prize, c'est pas le même du tout. Hein. Oh, que donc, du coup, elle est importante, cette 7ème place. Un demi-million d'euros. C'est King, fou. Le tout petit, le killer de, le killer fou. L'Argentin, il est remonté. Hein. Il était 10ème avant cette dernière game. 900 000 dollars pour lui. Waouh. On va voir le top 20 aussi, les amis. Par contre, on parlait beaucoup des Américains. Kral, 13ème, finalement, qui revient. Wow. Mika qui est là. Et malheureusement, King qui n'est plus. Non. Dans le top 20. Oh, c'est dommage, je crois qu'il doit être 21 ou 22. Il ne doit pas être trop loin. Ouais. Ça, dites-nous le chat, je crois que c'est top 26 de ce que je vois. Mais dites-nous le chat, 21ème, 26ème, essayez de nous dire. On dit 21ème, c'est triste. Non, 26ème. Ouais, 26ème. C'est dommage, évidemment. Mais bon, encore une fois, moi j'ai été impressionné par King parce qu'il avait un gameplay qui était fou. Genre, il y avait beaucoup de photos. Il y avait la manière, tu vois. En même temps que le résultat, il y avait la manière. Et ça, c'est, ça n'a pas de prix. Mais par contre, Bouga. C'est incontestable, c'est vraiment le meilleur joueur du monde. Genre vraiment, c'est... il avait tout ce qu'il fallait. Covered, il a loupé une game parce qu'il est mort en deuxième. Ouais, la deuxième. C'est vrai. Et puis après, Régu. C'était parfait. Je suis d'accord. On va voir la champion Bouga. Il va venir le chercher, ce trophée. Bien mérité. Il va pleurer, bien sûr qu'il va pleurer. Des semaines et des semaines d'entraînement, des mois d'entraînement, une pression incroyable sur les phases de qualification. 23 kills, il est top killer en plus de tournoi. Un monstre est né aujourd'hui, mesdames et messieurs. Légende est né. On est le 28 juillet 2019. Retenez ça. One more time, your world champion, Bouga. Champion du monde. Là, t'as toute la pression qui relâche, t'as tout. C'est « Je suis le meilleur joueur de Fortnite !» Bah comme c'est lourd. On va pouvoir travailler les biceps un petit peu avec la coupe, ça va être facile. Le monstre. Devant sa famille en plus. Qu'est-ce que c'est beau de voir ça. La fierté. Qu'est-ce que c'est beau de voir comme ça que maintenant le jeu vidéo se vit en famille. Qu'est-ce que ça me fait du bien de voir ça. Qu'est-ce que ça me fait du bien. On va entendre quelques mots de Bouga. I'm just gonna ask the most generic question in the world. How do you feel right now? Words can't even explain it right now. I'm just so happy.
everything I've done, the grind, it's all paid off, and it's just insane. So the last game I noticed you changed it up a little bit. You decided to change your drop spot. At what point in that game did you know that you locked it up? Well, pretty much I got to center zone after getting like a llama, so it was pretty much just sealed from there. I don't know. Yeah. Now, I know that you have some family here today. They're right there. Who are you playing for here, bud? Et la famille. C'est ça qui est beau. Regarde la famille qui vient. C'est ça qui est beau. And finally, image. Regardez ce qu'il arrive à faire. I don't even think we need to say anything else. Give it up one more time. Des familles alors que le public est justement. Regardez, voilà, ça y est, il craque. Il fallait ce câlin. Bien sûr. Il fallait ce câlin pour déclencher les larmes, mais des larmes de joie. Et regardez son père, j'ai l'impression qu'il tout simplement s'incline. C'est des images juste irréalistes. Mais ça a lieu aujourd'hui. Et j'ai hâte de voir ce que ce vidéo va devenir dans les prochaines années, mec. J'espère qu'on sera encore là pour le $3 million in prizing. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que... Il y a une légende kenée aujourd'hui. Ben, j'ai l'impression que de toute façon la suite est déjà en place, mec. La route est déjà toute tracée pour eux. Et bravo aussi à tous les francophones top 100, hein, tous ceux qui ont réussi déjà à se qualifier, qui permettent à des jeunes de rêver, peut-être d'avoir cette envie aussi de faire ça de sa vie. Aujourd'hui, c'est possible. Certes, faut travailler. On le répétera jamais assez. C'est pas de la chance, ça sort pas de nulle part. Ça demande du travail, ça demande de l'implication, ça demande une rigueur. Et ça, faudra qu'on vous le montre de plus en plus ce qui se passe en backstage, en coulisses. C'est ce que fait Solari régulièrement. Et c'est pour ça que moi, je tiens aussi à vous dire GG par rapport à votre projet où on comprend un peu mieux comment on démarre d'un petit talent à un joueur stable, expérimenté, bien dans sa tête, bien constitué, qui en plus de ça peut amener sa famille et ses amis dans sa passion. C'est juste sublime de voir ça. Il finit premier avec 23 kills, 59 points. Ah, ça met des frissons, mec. Sal a seulement 33 points. Tiens, il a presque le double de points, ouais. Deuxième. Ouais. C'est même pas mérité, c'est le meilleur joueur du monde, point. Il n'y a aucune contestation, c'est tout. On voit quelques images là de réaction suite au top 1. Et vous voyez, ces émotions qui sont créées pour ceux qui ne comprennent pas encore le gaming, qui ne comprennent pas qu'on arrive à vibrer ensemble. Ah oui, grâce à ça, normalement, après avoir suivi cette finale avec nous, il ne devrait plus y avoir de doute. Le sport, l'e-sport, finalement, même combat. C'est la même chose, les amis. Du coup, je sais pas si maintenant va y avoir encore des annonces ou j'en sais rien, mais... Tête de WAM, je suis pas sur ma TV, mais tête de WAM, je bouge pas. Clairement. La vie de ma mère, je bouge pas maintenant. Je pense qu'il y a tout le monde qui attend. Waouh. Des belles images. C'est fou, hein. Pouvoir vivre ça à cet âge-là, c'est... Comme d'être champion du monde de Fortnite, c'est... Sur le Twitter de Booga, là. Ça va être un zoo. On revoit le classement, mesdames et messieurs. $3 million pour justement ce joueur. Et je voulais te dire, les Américains, comme quoi, mec, les Américains se sont imposés dans cette... Vachement bien, hein. Rien à dire. 4 Américains. Y a pas... On a toujours dit EU mieux qu'Ena, gnu. Bah, rip, hein. Kinsar 26ème quand même, 18 points, 50 000 justement récupérés. Mais comme je vous le dis honnêtement, et franchement on vous fait confiance, ne soyez pas de mauvaises personnes sur les réseaux sociaux, ça sert à rien. Juste le fait d'être top 100 dans la Coupe du Monde, les amis, dans tous les cas, il n'y a même pas blabla en fait. En fait, c'est juste que c'est des gens que vous suivez au quotidien, vous avez une attache particulière avec eux, mais du coup, vous arrivez peut-être pas à concevoir que les autres aussi sont des monstres, les autres aussi font ces efforts jour après jour. Et donc du coup, quand t'arrives ici et que t'as les 100 meilleurs joueurs du monde, tout est possible. Et justement, exactement, soyez des bons supporters, soutenez-les, permettez-leur de grandir et d'aller chercher peut-être l'année prochaine encore une meilleure performance. Même si là on est quand même content, il y a des francophones qui sont bien glissés dans le haut du classement. Bah, il y en a d'autres qui sont peut-être passés à côté, mais ils devront retourner au travail et revenir plus fort. Et justement, enfin, des défaites dans une vie, c'est normal. Faut arrêter de croire que tout réussit à certaines personnes et que c'est automatique. Non, c'est à force de défaites qu'on apprend. Il faut apprendre à perdre, il faut être dégoûté quand on perd, il faut souffrir dans la défaite pour apprendre à apprécier les victoires.
Il y a un tweet qui va pop de Bougag, il a déjà bu. It's actually crazy what Fortnite can do to someone live just to everyone who compete at TwitchCon. I can't wait till I turn 16. Wow. C'est qu'il a même pas 16 ans. Mais et oui. Il est en train de dire que bah, Fortnite a changé la vie de tout le monde et bah, surtout la sienne en l'occurrence maintenant. Et que. Bah, enfin. J'ai. Alors attends, le 28 octobre 2018, c'était le premier tweet qu'il avait mis à la TwitchCon ? Ok. Et du coup, le stream s'arrête là ? Non. Hein ? Ah, non, du coup, le stream s'arrêtait là ? Mais du non. coup, Epic Games nous laisse comme ça là ? Mais non, c'est mort. Vraiment ?